Allô. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Jufray. Woo! Jufray.ca, c'est une compagnie, c'est un jeune entrepreneur de 21 ans qui fait des jus chez lui. Tu vas sur Internet, tu cliques et le lendemain, tu as ton jus chez toi à la maison. Ces jus sont pas chers, ces jus sont délicieux. Il y a plusieurs saveurs, ils sont tous bons. Ce que je vous propose, il y a un forfait où tu as plein de boîtes de jus. Dis pas c'est lesquels, puis tu les donnes. Prenez ça. Moi, c'est ce qu'il fait. Il me donne plein de jus et 3 heures plus tard, je les ai toutes bues. Et ma blonde me chicane. C'est une source de chicane chez moi, les jus. Jus frais parce que j'ai bois trop vite. Peut-être qu'il n'y aura plus de couple ouvert et que je vais devenir un père monoparental à cause de jus frais. C'est à ce point-là que c'est bon. C'est à ce point-là que c'est bon. Je suis prêt à me chicaner avec la femme que j'aime pour son jus de melon d'eau. C'est bon à tabarouette. Alors, jufray.ca, si tu veux boire du bon jus et bousiller ta famille. Mon invité aujourd'hui, c'est Charles Beauchesne du podcast Les pires moments de l'histoire. On a décidé de parler de Star Wars, entre autres, et d'histoire. On parle d'Hitler, de Staline, d'un peu de Tito. Voilà. C'est un podcast avec un humoriste que je trouve hilarant. Alors, let's go. Histoire, jufray, tension à la maison. Moi, je reste. Moi, en passant, je dors au studio à soir. C'est ça que je fais. Non, j'ai pas envie de revenir dans cet environnement-là. Sur ce, bon podcast. C'est bien gentil de le faire. Merci, Thomas. C'est un plaisir, comme à toutes les fois. Mais les gens aiment ça, être subversif. Il y a comme une mode. Je sais pas si ça a toujours été ça, en fait. Non, c'est ça. Fut une époque où c'était pas aussi populaire, où c'était punk d'être punk. Puis là, c'est de moins en moins punk d'être punk. Qu'est-ce que tu faisais par là? Je sais pas. Je sais pas, en fait. Oui, je sais. Mais laisse-moi mettre des mots dessus. J'ai l'impression que c'est de plus en plus populaire d'être le anti-héros sur Internet et dans la vie, dans les communes, dans les commentaires, dans l'art et compagnie, d'être le Joker, d'être celui qui sème le chaos autour de lui, qui confronte, qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas et qui confronte les gens avec des réalités face auxquelles ces gens-là ne veulent pas être confrontés. Ça, je suis vraiment pas... Il me semble le premier héros de la culture occidentale, c'est Jésus. Mais Jésus, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Oui. C'est un révolutionnaire. Oui, oui. Puis attends, le Jésus, mon Dieu, le Jésus, je crois que le Jésus historique était comme Moi, je parle de Jésus dans la Bible, l'histoire. Oui, oui. L'histoire d'un... Mais attends, c'est le Jésus dans la Bible puis le Jésus historique, je veux dire, le Jésus dans la Bible, je pense que c'est juste, à mon humble avis, c'est juste une extrapolation des meilleurs coups du Jésus historique qui ont été racontés puis racontés. Hey, sais-tu que la messe, c'est parti, tel qu'on connaît ça, tel qu'on la connaît, c'est parti des premiers proto-catholiques, genre les premiers disciples des enseignements de Jésus de Nazareth qui se rassemblaient le dimanche pour luncher en jasant des meilleurs coups de Jésus de Nazareth, en partageant justement, en rompant le pain et en buvant le vin. Ils se faisaient un lunch pour jaser de toutes les fois où Jésus a été crissement nice. Fait que c'est garanti que, je veux dire, oui, à partir de ce moment-là, il y a des... Mais ce que tu me décris, c'est beaucoup plus intéressant que la messe actuelle. Oui. Ce que tu viens de décrire, j'irais, moi, manger du pain pour parler de Jésus. Mais c'est la messe de base, c'est ça. C'est avant que ça devienne protocolaire, en fait. Mais c'est la même chose, un peu, que la messe. Je veux dire, c'est un podcast. Oui, d'une certaine façon, je pense que, genre, la messe, à la base, c'était une espèce de... En fait, la messe, en fait. L'ancêtre de la messe, c'était une espèce de podcast, là. Puis évidemment, je veux dire, les gens ont déformé ça, là. Les gens ont, à force de se raconter constamment, je veux dire, les mêmes histoires de Jésus, je veux dire, tout le monde, comme quand on se raconte des histoires, là, tout le monde en met une couche supplémentaire par-dessus, puis là, on se ramasse avec Jésus qui guérit des aveugles, puis qui ramène, qui fait marcher des quadraplégiques, qui transforme l'eau en vin, qui multiplie les poissons, le pain.
C'est, en tout cas, à mon avis, c'est toutes des histoires de pêche de Jésus. Là. C'est tout du monde qui ont fait. Jésus était tellement nice, là. Il était tellement genre, in sync. C'était tellement le fils de Dieu, mon chum, qui était en communion constante avec genre, la force créatrice de l'univers. Puis dans le fond, oui, Jésus, c'est le fils. C'est le fils de Dieu. C'est le fils de Dieu. De la même manière, le message, c'est qu'on est tous les fils de Dieu. On est tous les enfants de puis Dieu, genre. Hey, là, je suis en train de sonner comme un. Je suis en train de sonner ésotérique, là, mais. D'une certaine façon, si on voit. Moi, ma croyance personnelle dans tout ça, je suis. Moi, dans la vie, j'ai été athée pendant un certain temps. En fait, j'ai été sataniste pendant un bout. J'étais un sorcier, j'ai été un Wicca, j'ai été sataniste à un moment donné. J'ai viré athée. Là maintenant, je suis dans l'agnosticisme. Peux-tu, s'il te plaît, faire la différence? Il y a des gens très intelligents qui... Oui, bien sûr. Athée, c'est il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de force supérieure. C'est la foi qu'il n'y a pas de Dieu. C'est une sorte de foi? Oui, c'est ça. C'est, voilà. C'est la foi qu'il n'y a rien, puis que finalement, on est toutes... tout ce qui se passe autour de nous est une grosse mathématique synchronisée qui fait que les affaires arrivent. Mais c'est ça, c'est que d'une certaine façon, OK, mais si tu crois que je veux dire, tout autour de nous, je veux dire, ne fait qu'arriver sans Dieu, entre guillemets, là, ça fait que, veux pas, il y a un mystère, il y a une mathématique, il y a un chef d'orchestre à l'univers, peu importe, je veux dire, qu'on soit genre, qu'on ait conscience de ces choses-là, qu'on ait le libre arbitre ou pas, là, ou qu'on soit sur des espèces de rails de destin, là, puis que finalement nos vies sont toutes précalculées dans le grand schéma des choses, ou que, en tout cas, il y a quand même une mathématique à tout ça. Il y a quand même un mystère à toutes ces affaires-là. Un des arguments, c'est le Big Bang, soit. Mm-hmm. Le Big Bang, il y avait quoi avant le Big Bang? Il y a quelque chose, une suite. Il y a tout le temps, c'est ça, qu'il y a quelque chose au-dessus de tout ça. Puis même s'il n'y a rien, OK? Même si, genre, la vérité de l'univers, là, c'est le libre arbitre, il y a le hasard. Il y a le hasard qui influe, genre, comme des dominos, là. Chaque action qu'on a, là, avec la synchronicité, va affecter les actions de quelqu'un d'autre. Puis dans le fond, je veux dire, l'univers... c'est une montre, c'est un engrenage, c'est une machine. Je veux dire, les actions qu'on est en train d'avoir sur Terre en ce moment vont éventuellement avoir une portée à l'échelle de l'univers. On est tous des éléments de l'univers en tant que tel. Et ça, j'appelle ça le mystère. J'appelle ça la machine du destin. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut tout simplement pas comprendre, qui est tellement, malheureusement, au-delà de... Tu ne penses pas qu'on a la réponse à la Je pense mort? Que c'est au-delà... Même si on l'avait, on deviendrait fou parce que à essayer de comprendre cette affaire-là, parce que c'est malheureusement au-delà des limites de nos compréhensions. De la même manière que, genre, quand il y a des astronautes qui vont dans l'espace et qui reviennent, ils se mettent... Je me souviens plus c'est quoi le nom de... Ils se mettent à... Beaucoup d'astronautes se mettent à souffrir d'une espèce de mal de l'espace. Une espèce de dépression au retour sur Terre, d'avoir trop vu les choses dans leur ensemble et de par le fait même de se trouver insignifiant et dans le grand schéma des choses, de trouver que genre boire du café le matin, c'est à ce point insignifiant, alors que dans l'immensité de l'univers, que ça les rend dépressifs de se considérer, de se reconnaître aussi petit dans l'immensité de la machine de l'univers. L'univers est une machine au même titre que notre corps est une machine, au même titre que la Terre est une cellule de l'univers, au même titre que nos globules ou nos atomes ou nos... Mm-hmm. Tout ça, à mon humble avis, tout ça est interrelié Et similaire. Et Dieu,
c'est le mystère. C'est l'entièreté de cette machine-là qu'on fait fonctionner, dont on n'aura possiblement jamais la réponse, en fait, et c'est tout à fait correct comme ça. Je pense que... En tout cas, il y en a qui diraient que c'est pas tout à fait ça de l'agnosticisme, là, mais c'est la base de l'agnosticisme, c'est... De penser qu'il y a quelque chose, mais de ne pas se risquer à théoriser c'est quoi, parce que de toute façon, on ne pourrait pas comprendre qu'est-ce qui... on ne pourrait pas comprendre le, parce que ce n'est pas à notre échelle. Mm-hmm. Oh ouais. Puis ça me semble être plus... Oui, c'est comme aller voir... Je dis n'importe quoi. C'est comme aller voir une civilisation qui n'a pas vraiment touché l'Occident, mm-hmm. leur expliquer un iPhone. Oui. J'ai aucune idée. Faut t'expliquer Internet. Faut t'expliquer. Oui, oui. Ou les civilisations genre précolombiennes, là, que nous autres, on est démarqués avec des guns. Les civilisations précolombiennes étaient un organisme, étaient un monde à part entière qui finalement. C'est ça. C'est... J'ai l'impression que l'univers, c'est une infinité de mondes qui s'étendent et qui finissent par entrer en contact avec d'autres mondes autour d'eux. Puis éventuellement, comme dans Star Wars, oui. La galaxie de Star Wars c'est une populaire. Planète Terre à une échelle galactique. Je me suis, on jasait de ça plus tôt, je me suis inscrit à Disney+, là, puis là, je suis en train de... Aux cinq ans, je revire fan de Star Wars. Mais là, je suis en train là, de vampiriser tout ce qu'il y a de fucking Star Wars. Et Star Wars me fait du bien. Let's go! Star Wars me réconcilie avec mon agnosticisme et ma place dans l'immensité de l'univers. Une galaxie, c'est une galaxie ramenée à l'échelle de notre planète et d'une certaine façon ramenée à l'échelle de nos propres corps. Oui, parce que ce qui est comique dans Star Wars, c'est que chaque planète a... un parti, oui. un gouvernement et une topographie. Oui, une média, oui. Ça, c'est la planète forêt. Ça, c'est la planète d'eau. La glace, la planète c'est très comique. Ça marche pas de même. On pourrait argumenter qu'on a vu qu'une infime partie des planètes de la galaxie de Star Wars dans les films, là, puis qu'il y a peut-être des planètes beaucoup plus de planètes nuancées comme la nôtre, là, parce que je veux dire combien... Hey, dans les... On est rendu à combien de films de Star Wars, là? 97. Attends, là. 9 avec les trois trilogies, il y a eu 2 Star Wars, 11 films, c'est ça? C'est pas possible. Une affaire de même. 11 films, je veux dire, on ne peut pas... Mettons qu'on a vu, genre, 3 planètes par film, je veux dire, il y a une infinité de planètes dans une galaxie, et très possiblement qu'il y en a... Moi, j'ai été théorisé sur du Star Wars. Il y a très possiblement des planètes qui ressemblent à la nôtre dans l'immensité de la galaxie de Star Wars, Thomas. C'est tout à fait possible. Et je pense que c'est ça, le point qu'ils font, en fait, souvent dans Star Wars, c'est l'infiniment grand est un peu la même chose que l'infiniment petit. C'est ça, la force aussi. Ils disent ça dans Star Wars? Oui, d'une certaine façon. Oui, mais d'une certaine... La force, c'est ça. C'est pas juste des magiques. C'est l'énergie qui vient unir toutes ces choses-là à un plan, au plan cellulaire. La force dans l'univers de Star Wars est influencée par les midi-chloriens, tel qu'expliqué par Qui-Gon Jinn dans l'épisode 1, qui sont des organismes... au niveau cellulaire. C'est drôle parce que c'est une différence entre la première trilogie et la seconde. La première trilogie, c'est que la force est disponible à tout. Tandis que la deuxième trilogie, c'est... Il y a un peuple qui... Il y a des gens, il y a des individus, il y a des entités qui sont plus sensibles à la force que d'autres. Okay. Et ça, parce qu'au niveau cellulaire, ils contiennent... leur anatomie est plus riche en midi-chloriens. C'est moins intéressant, par contre, comme ça. Hey, je sais pas. Les gens ont chialé là-dessus. Les gens ont pas aimé se faire, Ça fait qu'il y a des classes. Ils ont mis les luttes de classe dans Star Wars. Et ce qui était génial de Star Wars, c'est qu'il y a pas de lutte de classe. Ah ouais, bon, d'une certaine façon. J'imagine. Mais les luttes de classe, en même temps, Mais c'est ça, c'est des rebelles qui veulent... Il y a du monde qui sont plus sensibles. Il y a du monde qui sont des magiciens. Il y a du monde qui, génétiquement, sont des magiciens dans le monde de Star Wars. Ouais, d'une certaine façon. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces gens-là deviennent des Jedi, puis ils ont du contrôle, sauf quand ils deviennent le contraire, là, puis ils deviennent des Darth Maul avec des doubles sabres au laser, puis des cornes, là, puis ils deviennent le diable. Il n'y a pas de Jedi nuancés. Il y a vraiment... En fait, je pense que les Jedi se veulent nuancer, mais ils ne sont pas vraiment. Là, enfin, c'est des moines, là, c'est des prêtres, là, ils s'empêchent de tout. Ils sont parfaitement gentils ou parfaitement méchants. Il ne faut pas
il faut se libérer de l'attachement, sinon ça et des émotions, sinon on vire dark side. Puis finalement, la première chose que tu sais, c'est que je veux dire, en essayant de se libérer de ses émotions, Anakin est devenu plus dark side que jamais. Puis hey man, bon vieux Anakin, Darth Vader serait pas devenu Darth Vader si on l'avait, si on lui avait donné la permission d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. Hein. C'est d'avoir une femme d'ailleurs. Tout, mais moi, c'est ce que j'aime de Star Wars. Darth Vader voulait juste une blonde, man. C'est tout juste ce qu'il voulait. C'est la faute d'une femme, tout ça. C'est tellement super comme... C'est quand même ça. C'est la oui. faute du... Non, attends. C'est la faute de Anakin qui a pas été capable de gérer ses émotions puis qui a pas été capable de dire non. De dire non au culte dans lequel il fait... Dans lequel il a été endoctriné dès son plus jeune âge. C'est ça qui s'est passé dans Star Wars. C'est pas la faute de Padmé. Padmé... C'est plus comme ça que c'est présenté. ...ne fait... Je sais pas, moi je trouve que... À mon souvenir... Padmé n'a fait que croire en la bonté de Anakin et en le fait qu'il était sauvable puis qu'il avait le contrôle sur ses émotions. Puis finalement, je veux dire, tu portes à croire qu'il n'aurait pas dû lui faire confiance parce qu'il s'est fâché puis il est devenu fucking dark side. Plus t'en parles, plus je me rappelle dans le 3, dans la revanche des Sith, je veux dire... Quel dans... nom? Hey man, en tout cas... C'est la revanche des Sith. Pourquoi la revanche des Sith? Parce que le 3 de l'autre trilogie, c'était le retour du Jedi. Puis George Lucas, le créateur, a cette espèce d'idée-là dans sa tête que tous les films de Star Wars devraient rimer les uns avec les autres. Fait que toutes les trilogies de Star Wars, se recroisent dans leur narrative si on les parallèle. Genre, il va y avoir des points en commun avec le premier épisode de chaque trilogie. Il va y avoir des points en commun avec le deuxième épisode de chaque trilogie, le troisième, et ainsi de suite. Et les Star Wars sont toujours en train de rimer d'une trilogie à l'autre. Ça rend pas ça intéressant. Non, absolument pas. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup de mots de tête pour si peu d'intérêt. Pour quelque chose d'un peu, pour un gros univers de Donjons et Dragons dans l'espace. C'est comme quand tu expliques à quelqu'un un truc, un Easter egg qui appelle, qui connaît pas le film, puis qui fait, mais à quoi bon? Ah, je m'entorche, tout le monde s'entorche, c'est ça l'affaire. Puis c'est ça, en fait. Et c'est correct de se torcher de Star Wars. C'est correct. Je pense que c'est un univers qui a été créé pour les gens qui ne s'entorchent pas. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont de la misère à accepter cette réalité-là. Il semblerait que l'acteur qui joue Obi-Wan Kenobi dans le premier qui a été fait, il haïssait ça. Oui, c'est quoi son nom? Le vieux Obi-Wan. Oui, il haïssait ça. Alec Guinness. Il aimait ça écœurer les fans de Star Wars. Il aimait ça leur dire c'est pas bon ce que t'as. C'est de la chenoute. Puis je pense que même Harrison Ford aussi, il était comme je m'entorche de Han Solo, là, j'en ai rien à chier. Hein. Ça, là, j'aime ça. Quand les gens sont venus voir vieux Harrison Ford là, avant qu'il refasse les épisodes 7, 8, 9, là, ils disaient hey, es-tu content, Harrison Ford, de retourner? Enfin, il était comme j'adore mon chèque. Han Solo, ouais, qu'est-ce qu'il y a en tout cas? Moi, le chèque, c'était écrit 17 millions. Ça, j'ai aimé ça. Le reste, je m'en fous. Mais je dirais, par contre, en la faveur de Harrison Ford, que dans le set, là, dans le film où il revient, il fait une très bonne job, puis il a l'air d'avoir du plaisir. C'est un acteur. Mais il aurait pu être paresseux, là. Il aurait pu être lazy ass. Je trouve que... Denis Villeneuve, il aurait jamais donné un rôle s'il était paresseux. Il y a une raison. Effectivement. Denis Villeneuve, s'il y a une force, ouais, c'est bien mais il aurait pu s'entorcher. Il aurait pu se mettre en mode « j'en ai rien à chier de Star Wars, puis je vais juste livrer mes lignes, puis pogner mon chèque. » Puis légitimement, là, il nous donne... une bonne performance Han Solo dans le set. Là. Quand même mentionné que c'est pas une web-série. Star Wars, si tu t'en fous, il y a des avocats qui s'assoient avec toi et qui t'expliquent que tu devrais pas t'en foutre. Il y a des gens très, très riches qui ont besoin de ta performance pour être plus riche et t'expliquent qu'apprécieraient que tu mettes de l'entrée dans tes lignes. Un peu d'effort puis que tu leur demandes. Oui, bien sûr. C'est pour ça que tu mets Harrison Ford. Hey, les milliardaires d'Hollywood, moi, j'aime pas ça. J'ai comme l'impression qu'ils s'assoient avec toi et t'expliquent. Je suis pas en train de féliciter Harrison Ford d'avoir été de bonne volonté sur celle-là. Là, manifestement, quelqu'un il a dit, peux-tu genre me faire un peu plus solo que ça? Mais il l'a fait et c'est très cool. Et ça fait plaisir aux fans. Mais je pense que c'est ça. Star Wars... Puis pour avoir jasé, parce que j'ai des amis qui sont toutes sortes de fans de Star Wars différents, avec de divers niveaux, genre de
proximité face à la trilogie et d'appréciation de cette œuvre-là. Moi, j'ai des amis qui sont des puristes, là, qui il n'y a que la trilogie originale et tout le reste, c'est de la merde des Star Wars. C'était pas censé être autre chose que les trois premiers films. Je suis comme, OK, d'accord. Sont-ils que... beaux, ces gens-là? Sont-ils beaux? Oui. OK, génial. Oui, ben, en tout cas, ceux que je connais sont généralement... C'est surprenant. Beau que... C'est surprenant. C'est terrible ce que je suis en train de dire là, que genre le fan de Star Wars... En tout cas, de base. Mais c'est ça. En tout cas, il y en a qui argumentent que genre, Star Wars, c'était censé être la trilogie originale. C'était censé être le conte. Ce qui est extrêmement biblique. Hein? L'histoire par-dessus avec... l'emballage. Et que tout à coup, c'est devenu, au fur et à mesure qu'on s'est mis à sortir d'autres Star Wars, après la trilogie originale, c'est devenu l'emballage par-dessus l'histoire. C'est devenu, ça s'est cartoon, ça s'est comiquisé, ça s'est marvelisé. Mais au tout départ, faut mentionner que c'était un objet pour vendre des jouets, parce que George Lucas, comment ça? Oui et non. Je pense que George Lucas, c'est un créateur à la base. Je pense qu'il a vraiment voulu faire une œuvre cinématographique qui s'inspirait de toutes les choses qu'il faisait triper, Flash Gordon, puis les soap opera, les films de samouraï et compagnie. Mais je pense que parallèlement au fait d'être un créateur, George Lucas est également un businessman. Puis oui, je veux dire, il y en a effectivement profité pour se faire une business de jouets. Il s'est arrangé avec le studio pour que tous les revenus des jouets lui reviennent à lui. Oui, pour éventuellement, je pense, faire plus de films, si je ne m'abuse. En tout cas, regarde, ça sera vérifié. Ben, ça. Je pense que c'est plus... La raison pour qu'il va faire ça, c'est pour faire de l'argent, puis c'est tout à fait légitime. Mmh. Alors, tout ça, le but de Star Wars, c'était vendre ses jouets. Je pense que le but de Star Wars, c'était de faire plus de films, à mon avis. Puis que la vente des jouets là-dedans vient rendre possible le fait de faire plus de films. Ben, si c'est le cas, pourquoi c'est pas lui qui réalise les autres films? Par contre, il garde les chèques des jouets. Star Wars, c'est l'objectif de Star Wars, c'est vendre des jouets, puis c'est correct. Je sais pas, c'est mal ou pas, c'est comme ça. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Et mettons que l'objectif de Star Wars, c'était juste de vendre des jouets, ce serait louable aussi, parce que c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas prendre... Le point que je voulais faire, c'est qu'il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux non plus. Je comprends. C'est... Et ce que des gens reprochent beaucoup à Star Wars, c'est que c'est devenu quelque chose pour les fans. C'est devenu quelque chose pour... c'est devenu une série pour les gens qui trippent sur l'emballage plutôt que sur l'histoire. Et je pense que c'est correct de tripper sur l'emballage. Ah oui. C'est devenu ça, en fait. Les fans se sont réappropriés Star Wars. Et là, maintenant, ils donnent du Star Wars aux gens en fonction de ce que les fans aiment et veulent. Je pense que je vais dire... L'emballage de Star Wars, c'est le truc le plus impressionnant. Oui. Je veux dire, les vaisseaux spatiaux, comment c'est filmé, les piou-piou-piou, les épées laser, c'est beaucoup plus impressionnant que l'histoire, qui est très ennuyante, l'histoire. L'histoire, c'est un beau petit monsieur. Basic plus oui. qu'ennuyante, Tandis à mon que avis. Là, mais... Les effets spéciaux, c'est là que c'est incroyable. Hey, on pourrait contre-argumenter aussi que je veux dire, il serait possible de faire... légitimement un bon film de Star Wars dans le sens avec un scénario parfait avec des dialogues enlevants avec films pour enfants. Oui. Fait oui, oui, oui. Pour enfants ou pour toute la famille, pour enfant. Les grands-enfants comme les petits-enfants, enfant. Mettons. Là, enfant. Je... enfant. Oui. C'est des films américains pour les enfants parce qu'au départ, l'idée de Star Wars, c'est que les gens sont soit fondamentalement bons ou fondamentalement méchants. Et ça, c'est une idée américaine d'enfants niaiseux. C'est une idée américaine simpliste de valeur universelle. Ouais. Ben oui, je veux dire, c'est universel comme valeur Star Wars. Je veux dire, c'est la quête du héros de base. Là, c'est « Hey man, c'est point... » par point, la quête narrative. Le premier Star Wars, là, en fait, même la première trilogie aussi, la quête narrative du héros dans une histoire. Là, point par point. Là. Si on pourrait... Même, genre, si je m'abuse, à l'école, pour enseigner les diverses étapes du scénario de base, on écoute Star Wars. À tel point, ça, je veux dire, ça couvre chacun des points de cette narrative-là. Mais faudrait que j'aille vérifier en fait, les différents points de genre, en tout cas, la narrative scénaristique. Là, mais à ce qui paraît, le premier Star Wars couvre tout ça de A à Z. C'est textbook
une narrative telle que, en tout cas, une narrative d'aventure telle que ça nous est présenté depuis la légende arthurienne. Je comprends. Mettons. Puis c'est ça, je veux dire. C'est un chevalier. C'est pas autre chose que de la légende arthurienne, c'est pas autre chose que le bien contre le mal, la séduction du mal, la facilité de choisir le mal sur le bien, puis je pense que c'est des choses qui ont encore écho aujourd'hui. Là. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Slavoj Žižek, qui a une superbe idée de... Il y a une belle manière de parler de Star Wars. Ce qui est génial dans Star Wars, c'est comme tous les films révolutionnaires américains, il n'y a pas d'après-révolution. Comme le but de Star Wars, c'est faire une révolution. Les rebelles veulent mettre à terre l'Empire. Terre le gouvernement. Dit, ce qui est génial là-dedans, c'est... Dans les films américains, ils ne parlent jamais de l'après-révolution. Ah. C'est ce qui est... En plus, on parle c'est le bordel, c'est ça. La plupart du temps, le vrai bordel, c'est là. C'est ça, le plus important, c'est après la révolution. Parce qu'un truc qui dit, c'est « OK, cool. Il y a un empire, entre guillemets, démocratique, qui a un parlement, et vous voulez le tasser pour mettre des princesses puis des chevaliers. » Attends un instant, si je peux me permettre, l'Empire dans Star Wars, il y a encore un Sénat jusqu'à... C'est nerd, man. Il y a encore un Sénat galactique jusqu'à l'épisode 4, où en tout cas, Moff Tarkin, là, le méchant qui est un nazi de l'espace dans le premier Star Wars, là, celui avec les gros cheekbones. Beaucoup de références au nazisme dans les premiers Star Wars. Énormément. C'est facile de même. Là. C'est ça l'Empire. C'est l'Allemagne nazie dans l'espace. Là. Il mentionne, à un moment donné, je pense qu'ils sont en train d'avoir en tout cas une espèce de meeting là, des officiers impériaux là, dans l'Étoile de la Mort. Là. Puis là, t'as Moff Tarkin qui arrive avec Vader. Là, puis il dit ah, by the way, les amis, j'ai des bonnes nouvelles. L'Empereur vient tout juste de dissoudre le Conseil permanent. Et les vieux, les vieux restants de l'ancienne République ont disparu pour toujours. Et la, grosso modo, la galaxie vient de devenir un empire autocratique de A à Z maintenant. Puis là, t'as un genre des autres officiers impériaux qui est comme « Mais comment allons-nous maintenir l'ordre à travers la galaxie s'il n'y a plus de Sénat et les gens vont se rebeller contre nous? » Puis là, en tout cas, Moff Tarkin lui répond que nous avons l'étoile de la mort et la peur va nous permettre de tenir en laisse les systèmes récalcitrants et blablabla. Mais c'est ça, officiellement, ça devient une autocratie. Il y a très mal, George Lucas. Il y a une raison pour qu'il y a juste... Je dis que c'est un mauvais metteur en scène. Et dialoguiste. Directeur, oui, dialoguiste et... Parce que les meilleurs films, c'est pas lui qui les a réalisés. Les meilleurs films, c'est L'Empire contre-attaque et Le retour du Jedi. Moi, c'est mes préférés de la série. C'est zéro lui. C'est un mauvais, directeur de comédien. Ouais, directeur d'acteur. Directeur d'acteur, oui, voilà, c'est ça, exact. Il est terrible. Et puis ça se voit, là, ça se voit, mon Dieu, il y a... Dans les prequels, là, surtout là, dans les épisodes 1, 2, 3, là, où il y a une petite brochette là, de... T'as Natalie Portman, t'as Ewan McGregor et compagnie, là, qui Sam Jackson. T'as Schindler. Là. Liam Neeson, man, oui. En Qui-Gon Jinn, qui est... Moi, je l'adore, là, c'est une de mes affaires préférées dans toute cette vieille trilogie-là. Là, le bon vieux Qui-Gon Jinn qui prend des décisions décisions de fou, même si le conseil des Jedi est pas d'accord. Mais tu vois, et chacun de ces grands acteurs-là s'emmerdent dans Star Wars. Ils ne savent pas quoi faire. Natalie Portman ne sait pas quoi faire de Padmé Amidala. Puis, tout le monde est sur le pilote automatique en fond vert en se baladant dans le hangar de l'espace parce que c'est ça, il fait pas de la bonne direction d'acteur. George Lucas. Pis... Il n'a pas beaucoup d'expérience. Il tourne pas beaucoup. C'est Scorsese qui est tout le temps sur un plateau, tout le temps dans une salle de montage. Oui, puis ces scénarios sont tous simplistes. Là. Puis même dans les autres films de George Lucas, là, ça se voit quand c'est un scénario de George Lucas. Là, qu'est-ce que j'ai écouté récemment là, qui était un... je me souviens plus. Je me suis tapé un... Ça donne une avant idée, tout. Ouais. Tu as mentionné que tu étais sataniste à une époque. Je veux tout savoir d'être sataniste. Non, j'ai... Mais je sais pas ce que ça veut dire. J'ai eu une période occulte à un moment donné quand j'étais adolescent où je faisais... Est-ce que tu croyais au diable? Rituel, je croyais au diable. L'affaire, en fait, intéressante avec le satanisme, c'est que c'est surtout, vénérer... Les forces du monde naturel et de prime abord la nature humaine dans mon Dieu
Satan, tel qu'il nous est présenté dans la plupart du temps en fiction comme otherwise. Satan, je veux dire, c'est pas... C'est le mal, mais d'une façon subjective. Satan, c'est la nature humaine. Satan ne fait qu'encourager et s'émerveiller du libre arbitre, puis du fait que les gens s'écoutent eux-mêmes. Satan fait comment? Il est toujours comme on mange la pomme. Comment? Let's go. Là, tu vas t'amuser. Là, tu vas voir. Là, pourquoi là tu fais là ce que dude là? Tu vas te laisser marcher sur les pieds là, par une entité cosmique? Hey, qui a le libre arbitre? Je veux dire, toi, tu peux faire ce que tu veux, man. C'est une bonne question. Il est toujours fasciné. En tout cas, la plupart des. Moi, j'aime bien. Oh mon Dieu. Je suis un gros nerd, Thomas. J'aime un de mes. Une de mes œuvres de fiction préférées, c'est le manga Black Butler. Je suis un gros, gros fan de cette affaire-là, à tel point qu'en fait, je le suis chapitre par chapitre au fur et à mesure que ça sort au Japon depuis les 10 dernières années. Et bon, dans Black Butler, qui est un bon vieux... récit de pacte faustien avec le diable. Là. Dans ce cas-ci, c'est un jeune garçon de 10 ans fait un pacte avec un démon en Angleterre victorienne et ce diable-là prend la forme de son majordome et fait tout ce qu'il veut jusqu'à ce qu'à un moment donné, il devienne son esclave, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il finisse par manger son âme. Puis c'est ça, l'essence même du pacte faustien entre ces deux-là, c'est tuer mon esclave et en fin de compte, quand je vais avoir atteint mon objectif, mon âme va t'appartenir. Et ce personnage-là, du Sébastien, le butler, le démon qui est devenu un majordome, tout le long de cette série-là, l'essentiel en fait de ces interactions, c'est d'être constamment émerveillé quand les humains sont des humains. D'être constamment émerveillé quand les gens se pilent dessus mutuellement les uns sur les autres pour survivre, pour quand les gens sont sont avares, quand ils se laissent aller à leur gourmandise, à leur désir de posséder, leur posséder, de maîtriser, de conquérir, de soumettre, etc., etc. Il n'est que quand Sébastien est constamment émerveillé de la nature humaine. Et je pense que c'est ça, Satan. C'est ça, le diable. C'est l'émerveillement de ce que l'humain est de façon intrinsèque pour le meilleur comme pour le pire. C'est pas le bien et le mal, c'est ce qu'on est. Et il adonne qu'on est le meilleur et le pire en même temps, constamment. C'est pas... Ouais, je pense que la base de mon satanisme quand j'étais goth au cégep là, tu avais 20 ans, génial. J'ai 19 là, j'avais 17 18 19 là, je lipstick noir, je me faisais des maquillages là, je me faisais des gros maquillages pour aller m'acheter des clopes au dépanneur là. C'est oui, j'étais, mon Dieu, borisé sur les bras au cégep. Plein, puis c'était... Lequel? C'était merveilleux. Brébeuf! Ah! La meilleure place pour la jeunesse! J'en dis la dernière fois, fucking Brébeuf, mais j'ai eu un secondaire abominable, bourré de bullying, de stress, de ingérable, et la récompense de tout ça, ça a été un cégep absolument merveilleux. La seconde où j'ai décidé d'être ce que j'étais. Et bon, il adonne que, je veux dire, quand toi, t'es un adolescent, je veux dire, faut des fois, genre, craquer le message à 10, là, parce que c'est ça, être un ado, t'as pas vraiment de nuances. Moi, à ce moment-là, ça a été d'être un bon vieux adolescent goth des années 2000, lentille cornéenne rouge de vampire, le matin avant d'aller à l'école, puis... Et j'ai jamais été aussi heureux que ben, je pour vrai, je suis super heureux aujourd'hui là, mais genre après l'enfer de d'avoir vécu un secondaire pour le moins violent là, disons-le comme ça là, être qui j'étais, m'habiller
comme ça me tentait d'être être exubérant, être, c'est drôle, on en vient à ça, être subversif, comme ça me tentait d'être subversif à une époque où c'était pas aussi à la mode d'être subversif, j'imagine. Écoute, j'ai jamais eu autant d'amis, j'ai jamais eu autant de, comment dire, de... C'est con, mais de respect de la part des gens autour de moi, de juste assumer qui t'es. Et c'était facile, j'avais plus de mathématiques. Je suis pourri en mathématiques, c'est terrible. Ça m'a fait stresser pour mes notes pendant mon Dieu, 5 ans de secondaire. Et là j'étais en cinéma, je faisais du théâtre, j'étudiais des films, je m'habillais comme je voulais, j'avais les amis que je voulais. C'était J'étais populaire, mon Dieu, genre au sein de plusieurs groupes variés de gens différents. Pourquoi? Parce que j'étais qui ça me tentait d'être et j'assumais. La clé, c'est juste ça. Est-ce que c'est possible aussi que le secondaire, c'est un endroit horrible où on est tous obligés d'aller et... Oui, bien sûr. Et le cégep, c'est même mal vu, bully le monde au cégep. C'est au cégep, tu fais « Yo, fuck you! » Tout le monde se retourne, fait « Ah, qu'est-ce que t'es? » Il y a un heureux mélange de ça aussi. C'est ça, c'est soudainement, genre, ça devient... genre. Les seuls bully au cégep, c'est à Hunsic et à Maisonneuve parce que des policiers, des techniques policières. C'était pas une technique policière, il n'y a pas de bully. Mais c'est parce que je pense aussi, en fait, on arrive à ce point dans notre adolescence, ma théorie, là, au cégep, on arrive à ce point dans notre adolescence où tout le monde veut se distinguer, où tout le monde tout le monde veut se déconformiser et tu n'as que du respect parallèle à tous les gens qui... Ça fait que tu n'as que du respect parallèle à tous les gens qui, comme toi, essayent d'être eux-mêmes et de sortir, de se déconformiser. Puis c'est magnifique pour les artistes, le cégep. C'est génial. C'est 2 années, là. C'est 2 années de fucking vacances pour tout le monde. Il n'y a rien de mieux que le cégep. Moi, ça m'a fait du bien. Ces 2 années-là, ça a fait que j'ai repris confiance en moi. J'ai repris confiance en aimer les affaires que j'aime, en me donner le droit d'être qui je suis avec les goûts que j'ai. Et il n'y a personne qui va... Et cette notion, intérioriser cette notion-là de les gens n'ont jamais raison de te pointer du doigt parce que t'es quitté ou parce que t'aimes les affaires que t'aimes. Et ça, c'est con, mais c'était une notion qui avait pas été, qui avait pas été intériorisée quand j'étais au secondaire. Aussi, je vais blaster Brébeuf, ce que je comprends de Brébeuf. Mais t'as raison de le faire, c'est un culte, Brébeuf. Là. C'est un fucking culte. Là. Mais bien sûr. Et c'est exactement ce qu'on s'est dit la dernière fois aussi, d'ailleurs. T'as la Brébeuf, et le but d'aller à Brébeuf, c'est de rentrer dans les rangs. Oui. Pour avoir parlé aussi à l'élite. Philippe Audry, vous êtes, à Notre-Dame. Vous êtes l'élite de demain. Et les profs te disent ça, là. Ouais. Mot pour mot, vous êtes l'élite de demain. À un moment donné, je veux dire, oui, c'est des raisonnements, ça, de stormtroopers, là. On crée des clones, là. Puis à un moment donné, c'est ça, tu deviens, en tout cas, tu te subversives face à tout ça. Et c'est là qu'il y en a à prendre ou à laisser dans cette éducation-là, là, dans cette façon de faire. Là. Et je souhaite aux gens d'en prendre et d'en laisser de leur secondaire, peu importe quel secondaire ils ont eu. Mm-hmm. Mais tu vois, c'est ça. Il n'y a pas que du mal dans cette éducation-là, mais il y a aussi beaucoup de mal. Il y a beaucoup de mal. Ça crée... On en avait jasé aussi l'autre fois, là. Ça crée beaucoup d'humains de chiottes aussi. Ça crée beaucoup d'humains très, très arrogants qui ne veulent pas, je veux dire, à force de te faire dire que tu es l'élite constamment. Dans les années 60, mon père est allé à Notre-Dame à l'époque des pères pédophiles. Oui, oui. Et ça l'a... Pour lui, il ne respecte plus les institutions. Parce que lui, la première institution qui était censée le protéger, il y avait des pédophiles qui agressaient ses collègues de classe. Oui, alors, rapidement, il va jamais s'agenouiller devant l'institution. Ne serait-ce que pour apprendre cette leçon-là, ça vaut la peine de passer à travers le processus. Mon père va dire « Oh, c'était cool de voir mes collègues se faire agresser par des hommes. » Sorry, sorry.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Est-ce que ton père a été victime de... Je vais, il ne va jamais me le dire. Non, OK. Il ne va jamais me le dire. Il ne va jamais me le dire. Non, OK. J'imagine. Non, 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 là, c'est niaiseux ce que je suis en train de dire là. On non, c'est pas nécessaire de passer. Je ne parle pas du hockey, là. Mais dis-moi-les. On te... Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Non, je le sais. Non, c'est pas vrai. Je le sais, j'en ai parlé. OK. C'est pas nécessairement une bonne chose et c'est pas nécessairement nécessaire de passer à travers ce processus-là, mais. Comme pour toutes les affaires négatives, je pense qu'il y a des apprentissages positifs à être tirés. Tu peux aussi lire. Il y a aussi ça. En tabarnak. Il y a bien des affaires qu'on peut apprendre en lisant. Oui, oui, évidemment. Mais, tu vois, moi, ça a été ça, là. Ça a été passé par cette machine-là, là, puis de poser des questions par rapport à ça, là. De poser des questions justement par rapport à au conformisme, par rapport à l'environnement autour de toi. Puis c'est ça qui te mène, en fait, c'est ça qui te mène au satanisme éventuellement, là. c'est loin de faire comme, OK, attends une minute, là. Où est l'humain? Où est l'humain dans tout ça, là? Pourquoi est-ce que tout le monde est toujours en train de me dire quel genre d'humain je devrais être? Et pourquoi c'est toujours quelque chose de difficile? Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de se battre contre une espèce de nature quelconque? Qu'est-ce qu'on est l'humain, finalement, à travers tout ça? Puis je pense que c'était ça le que j'avais à découvrir dans ma période plus occulte. C'est quoi la nature humaine? Et bon, est-ce que je l'ai découvert? Non, absolument pas. Ce serait absurde de dire que j'ai pinpointé ça. Là. Mais quoi? Mais t'as eu des clés. Mais j'ai eu des clés. J'ai une meilleure idée de... J'ai une meilleure idée de ce qu'on est. Et la réponse, comme ma réponse, c'est... Le meilleur comme le pire. C'est plate, hein? c'est poche comme réponse. Hein? Les humains, on est un amoncellement de gris. J'adore cette réponse. C'est beaucoup plus intéressant que la réponse de Star Wars de t'es soit bien, soit le mal. Mais oui, oui, mais attends, mais si je peux me permettre là, de vous prendre la défense de Star Wars quelques instants, là. Star Wars ne montre que des exemples négatifs des gens qui sont complètement. Qui ne prêchent que le bien absolu et le mal absolu. C'est les Jedi et les Sith. Et tout le monde dans l'univers de Star Wars est toujours un peu en train de faire comme ouais, vous trouvez pas que les deux, là, vous êtes un peu chacun de votre bord des estis fuckés? On peut pas. Han Solo, là, c'est un peu ça le point. C'est l'homme ordinaire, Han Solo. C'est l'homme ordinaire qui dit ouais, moi, je pense que faut juste être un doute dans la galaxie puis faire ce qu'il faut pour réussir. Puis, des fois, regarde, les gens vont faire des affaires dégueulasses au nom de. C'est le seul être sexuel. Ah, de Star Wars? Excuse-moi, je suis en train de passer le Rolodex. Lui et le gars dans la moustache qui donne son. Le vaisseau. Lando, oui, oui c'est les deux seuls sexuels. C'est les deux. Oui, oui. C'est vrai que c'est vraiment les deux. C'est les deux. Même la princesse Léa, quand elle est sexualisée, c'est contre son gré. Quand la grosse bébête la sexualise, elle est comme non, je ne veux pas. Ah, puis même dans l'Empire contre-attaque, là, quand en tout cas, ils ont leur scène justement de Solo et Léa, puis elle est en train, sont dans le Faucon Millennium en train de. Je sais pas, t'es en train de faire des affaires de Star Wars, là, t'es en train de gérer des machines de Star Wars, oui. Là, pis là, il a de la misère, là, pis là, t'as le capitaine Solo qui arrive, attendez, je vais vous aider, pis il se rapproche d'elle, mais il est comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous me traitez comme si j'étais un scumbag constamment? Parce que vous êtes un scumbag, pis il y a comme cette espèce de game-là de. Je recule, donc j'avance, là, puis bon, en tout cas, il la donne que finalement, il semblerait que la princesse était consentante dans tout ça, mais Han Solo ne vérifie pas. Il ne prend pas le temps de lui poser des questions. Il la French alors qu'elle recule dans Empire Strikes Back. C'est 100% ça qui se passe. Et sur ce point-là, je veux dire, en tout cas, le seul avantage que Solo a sur Jabba, la grosse crise de limace, c'est d'être Harrison Ford. Harrison Ford, c'est vraiment... C'est l'avantage. Vraiment c'est, ça. C'est là. Un gros avantage. Ce que je veux dire, Jabba, c'est à peu près... Il y a à peu près la même approche que Solo sur mais celle-là. Aussi, c'est une autre créature. C'est même... C'est de l'in... Hey, c'est, ça, du, là... c'est une grande question. Est-ce que pourquoi cette bébête-là est excitée par les êtres humains? J'allais justement dire ça. C'est quoi la déviance sexuelle de Jabba the Hutt? Hey, by the way, Jabba the Hutt, là, il est hermaphrodite. Oh. Il est les deux sexes en même temps. Et il la donne que, en tout cas, lui, sa déviance, c'est les femelles humanoïdes chicks en maillot de bain. Genre, alors que.
avec une anatomie qui n'a rien à voir avec la sienne. Très curieux. C'est quoi ta perversion, genre Jabba le forestier? Qu'est-ce que vous me faites avec j'espère ça? J'espère qu'ils vont faire un épisode. Il y a même pas, genre, y a-tu une colonne vertébrale? Genre, je sais même pas s'ils partagent, genre, Jabba, y a-tu une colonne, y a-tu vertébrée? Je pense pas qu'il y a des os. Ça a l'air d'être un gastéropode en est. En tout cas, faudrait aller vérifier, là, sur Wikipédia, là. C'est Jabba, as-tu, vous nous écrivez ça, Nico, as-tu game d'aller voir vérifier ça? Ouais, genre. Nico, on va aller voir ça. Nico, il y a un mec aussi, il va pouvoir répondre. Jabba, genre spinal vertebrae. Trouve le squelette de Jabba, s'il te plaît. Jabba the Hutt skeleton, là, si. Généralement, il n'y a pas ça dans Sans Filtre, hein? Il n'y a pas ces moments-là dans. Ça arrive, mais pas pour Jabba the Hutt. Dans Wikipédia, là, genre le wiki de Star Wars devrait avoir la réponse là-dessus. Il y a Wikipédia? Oui, et puis c'est là que je vais, genre. Dans ma grosse folie de Star Wars, parce que là, en ce moment, là, je suis dans un moment où je m'injecte du Star Wars directement dans les veines, mon petit Thomas, j'ai commencé à écouter des audiobooks de Star Wars. Genre, c'est bien écrit? Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et je réalise que, en fait, rien de pire que te faire décrire l'univers de Star Wars. Par un gars qui sait pas écrire. C'est très fanficky. J'imagine. C'est très fanfiction, la façon dont c'est écrit. On dirait que ça a été écrit par... du monde qui écrit ça un très nerd, rapidement là, pour là, un c'est ça, là, par un gars qui a écrit un roman d'un univers de Donjons et Dragons autre que celui de Star Wars. Puis en fait, Star Wars, c'est ça. Là, c'est juste un gros crisse d'univers de Donjons et Dragons, on va s'entendre. Là, c'est la même style d'affaires. Il voilà, y a une dimension très fanfiction à tout ça. Et c'est parce que c'est tellement difficile de décrire l'univers de Star Wars que je suis comme, OK, d'accord. Et Vador fit effectuer une vrille à son chasseur de... J.K. Rowling, c'est une incroyable écrivaine. Et une des raisons pourquoi c'est une incroyable écrivaine, c'est qu'elle réussit à te faire voir son univers. C'est pour ça qu'elle... Mais c'est ça, mais l'univers de Star Wars est probablement tellement visuel déjà que t'es un peu genre, emprisonné genre, dans les... justement, dans l'univers du dictionnaire visuel qui t'est offert, fait que tu peux pas vraiment innover. T'es toujours pogné pour décrire des affaires qui existent déjà dans l'univers de Star Wars. Puis là, ça fait que là, j'écoute mon audiobook, là, puis là, il me dit, genre, Vador fit effectuer une vrille à son chasseur intercepteur. Je suis toujours obligé de faire pause, là, puis là, demander sur Google, faire, OK, là, c'est quoi, là? Un intercepteur VX, puis là, je m'en vais sur Wikipédia, OK, c'est ça, le vaisseau de... OK, je peux maintenant continuer l'écoute de mon chapitre en imaginant ce vaisseau. Puis là, je fais ça, on a les os! C'est ça, le squelette de Jabba. Nico, t'es le meilleur! Il y a des vertèbres. Il est vertébré, ce style-là. Ah, mais on savait pas. Ah, fait qu'il est pas gros. Il a juste une grosse cage thoracique. Ah! Jabba est big boned. Je ne savais pas. Eh bien, merci, Nico. Ah, nickel. Rire de son physique. C'est malgré lui. Non, ils sont tous littéralement... Ils ont des gros os. Je suis content. Je change drastiquement de sujet. Je suis juste heureux de savoir que tu vois Jabba the Hutt dans sa perversion inter-espèce au trip au moins sur une autre créature vertébrée comme lui. C'est déjà pas si loin que... Je sais pas, man. C'est un déviant. Heureusement que Léa l'a étranglé. Mais en même temps, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu déviant dans le monde de Star Wars. Il doit y avoir genre... Hey, je m'excuse, là, mais il y a beaucoup d'extraterrestres très chics dans le monde de Star Wars. Et je suis pas mal sûr qu'il y a du gossage inter-espèce. Il y a des femmes lézards avec des boobs. Là. Ça doit intéresser quelqu'un. Là. C'est fort possible. C'est fort possible. En tout cas, voilà. C'est ne serait-ce qu'en tout cas, s'il y a pas ce genre de perversion là dans l'univers de Star Wars, je peux te garantir que les nerds eux sont tout à fait atteints, ont bien envie de se taper des Twi'leks. Sans si doute. Si vous voulez mon avis. J'aimerais t'entendre là-dessus. Qui est selon toi le pire dictateur de l'histoire de l'humanité? Le pire dans le sens le meilleur? Ou genre celui qui a le mieux été un dictateur ou le J'aime pire. Ça, ouais. Ben, tu sais quoi? Avant tout, si t'as à choisir, qui a fait le plus grand crime contre l'humanité? Le plus grand, sont à ex-aequo, à mon avis. Là, disons, entre Staline et Hitler, disons. Juste pour l'échelle, là, j'ai l'impression que c'est Staline. Mais on en parle moins parce qu'il a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Mais
By the way, ça minimise aucunement là, Hitler. Là. À mon avis, à je mon pense, avis. Je pense plus à personne qui l'a. Ah, oh, il a minimisé Hitler. je sais, mais on marche sur des œufs. Je comprends. C'est des podcasts. À mon avis, le pire dictateur, c'est Hitler. Okay. Parce que c'est le plus iconique. Et c'est mon Dieu, il y a le livre. Si tu veux être dictateur, il y a le livre. Il y a l'univers visuel. Attends, c'est complètement fucked up. Moi, j'ai l'impression, là, Hitler, c'est un artiste raté. Et j'ai l'impression. Ma vision des choses, là, c'est que Hitler a fait du mal une œuvre d'art. Okay. Il y a, d'une certaine façon, okay, le nazisme, c'est une œuvre d'art. Bien sûr. Il est allé chercher des artistes autour de lui. Il est allé chercher des designers. Il est allé chercher Hugo Boss. Il est allé chercher de quoi chez les Romains. Il est allé des architectes, des designers, des costumes. Il y a un intellectuel qui a dit, tu sais que ton dirigeant... Tu es dans une mauvaise posture quand on dit ton dirigeant a un architecte. Il n'y a aucun grand... T'as un architecte, d'un architecte. Puis un designer de mode. Oui. Puis, tu sais que ça va mal. Dès qu'il y a un architecte, ça va mal. Hey, le professeur Porsche, Ferdinand Porsche, qui designait des tanks, des machines de guerre, Hitler... En tout cas, aussi, point-là, à mon avis, est un... C'était très bien filmé aussi, le nazisme. Je me souviens plus de son nom, malheureusement. Ingrid Stahl. Voilà. La réalisatrice là, de toutes les... Des... Oui, le nazisme. De la propagande nazie. Une des raisons pour lesquelles ça a fonctionné, j'ai l'impression, c'est parce que c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art complètement diabolique. C'est, à mon Mais avis... Je lis même Star Wars, c'est... En quelque sorte, un hommage. Pas en quelque sorte, c'est 100% le nazisme dans l'espace. Voilà. Ça a tellement marqué la fibre collective, nazisme. Temps d'arrêt, faut aussi. George Lucas, c'est un juif, puis je peux comprendre que t'es marqué. George Lucas, c'est pas juif. George Lucas, c'est pas juif? Non. Ah bon, je t'ai convaincu. Non. Steven Spielberg. Je suis sûr que c'est mon erreur. Mais en tout cas, non, c'est OK, je le nazisme, à mon avis, est à ce point une œuvre d'art que voilà, aujourd'hui encore, ça a marqué l'imaginaire collectif. Aujourd'hui encore, tu veux t'imaginer le mal absolu, tu vas t'imaginer les nazis. Steven Spielberg, tiens, justement, se cherchait le méchant idéal pour Indiana Jones, le méchant parfait, les nazis. Il n'y a rien. Et, bien sûr. Il y a raison. C'est les nazis, c'est les meilleurs méchants. Moi, quand je les nazis qui reviennent souvent dans la filmographie de Steven Spielberg. Oui, bien sûr. Il n'y a rien. Lui, il est juif et il aime bien leur taper dessus. Et j'imagine. Avec raison. Mais veux pas, les nazis sont les meilleurs méchants. Moi, j'écoute un film, à toutes les fois, tu me dis les méchants, c'est des SS là, qui fument des cigarettes avec deux doigts. Là. Ben oui, je vais 100% me taper cette affaire-là. Fait que ça a tellement... C'est ça. Sur ce point-là, c'est qui le meilleur dictateur ou le plus grand dictateur, à mon avis? Je veux dire, c'est Hitler sur ce point, sur ce point-là, ne serait-ce qu'il a défini pour tout le monde ce que c'était que la dictature autocratique à son expression la plus pure. C'est plus du sirop, c'est du sucre d'érable de dictature. Et maintenant, pourquoi tu t'avances que Staline est plus... Parce que Staline, il y avait les nombres, il y avait plus de gens à faire souffrir, en fait. C'est ça l'affaire. Staline, il s'est déchaîné sur tout le monde autour de lui. Là. Staline, l'une des raisons pour laquelle il a gagné, il a triomphé du nazisme, c'est parce qu'il y avait infini Russes sur le plus gros territoire qui a jamais existé, infini ressources, infini puissance humaine derrière lui pour déménager ses usines quand les SS débarquaient, pour mettre le feu à des pays au complet quand justement, pendant l'invasion, l'opération Barbarossa, quand les nazis ont envahi l'Union soviétique. Il y a infini monde. Brûler les récoltes. Les nazis meurent de faim. C'est pas grave, on va replanter. On a infinitaire, on a infinie culture, on a collectivisé l'agriculture en Russie. Là, on a infini gens pour reconstruire. Et même s'il faut tuer tout ce monde-là pour que la machine continue à runner. Et la machine n'a jamais arrêté de runner. Il a fallu tuer
tellement de monde. Il y a tellement de gens qui sont morts de froid, qui sont morts parce qu'ils devaient charger à Stalingrad sur l'armée allemande avec un gun pour deux dudes. Mm-hmm. Puis là, tu suis l'autre gun avant avec un gun avec des balles. T'as 5 balles dans tes mains à mettre dans le gun quand le premier dude doit se faire gunner. Oui, aussi, Staline le mentionnait, l'armée rouge, c'est plus dangereux reculer qu'avancer. Oui. Parce que si tu recules, il y a des officiers qui te tiraient. Dans notre armée, il est plus dangereux. Ça, c'est voilà, Staline avec son espèce de sens de l'humour morbide. Là, dans notre armée, il est plus dangereux de reculer que d'avancer. Puis, la mort d'un seul est une tragédie. La mort d'un million n'est que statistique, puis etc., etc. Sa meilleure citation, c'est sur la démocratie. C'est l'important, c'est pas qui vote, c'est qui compte les votes. C'est qui ça. Staline a toutes les astites quotes là de marde, là, evil, de comment dire. En tout cas, je veux pas dire bonne compréhension de la politique. De l'humain. De l'humain, t'as raison. De l'humain. Tandis que Hitler, je veux dire, en tout cas, il y a très peu de quotes, de citations d'Hitler. La plupart des citations... Hey man, les meilleures citations nazies, c'est Goebbels. Oui, parce que lui était en charge des citations. C'était le ministre de la propagande. Ce que je comprends pas, c'est que si dans ton parti, si dans ton pays, il y a un ministre de la propagande, Hey, c'est pas bon, ça! C'est pas bon qu'il y ait un ministre de la propagande, voyons-le! C'est ce qui a fait que ça a marché. Bien sûr! Parce que tu checkes les véritables citations de Hitler là, en tant que tel, ce n'est que de la démence. Mm-hmm. Grandiloquente, là. Des fois, il y a des quotes de Hitler là, où il dit, genre, il est fâché, mettons, contre... Je pense qu'il a dit ça à propos de Moscou. Genre, il était fâché à un moment donné là, parce qu'il était censé... Le point fort de l'armée allemande, c'était ce qu'on appelle la Blitzkrieg, la guerre éclair. C'est-à-dire pousser jusqu'à la capitale de la nation ennemie comme un fer de lance, là, en ne s'arrêtant jamais puis en faisant la guerre le plus rapidement possible pour aller neutraliser le cœur. Et bon, ça a chié quand Hitler a voulu envahir la Russie parce que ça a pris trop de temps. L'hiver est arrivé, les tanks sont restés pognés dans la boue, puis la boue a gelé avec l'arrivée de l'hiver russe, puis il est resté jamais. Ça a beaucoup fâché Hitler, parce qu'ils se sont arrêtés juste avant Moscou, qui était le cœur justement de l'Union soviétique. Si je ne m'abuse, dans sa fureur de vouloir raser la fureur Moscou... La fureur du fureur. Ça, c'est fureur, ça, c'est de la furie en esti. Hitler aurait dit, genre, quand nous conquérons cette ville, je la remplacerai par un lac artificiel. Wow. Ça, c'est le genre de quote de Hitler. C'est toujours des affaires complètement grandiloquentes. J'ai bien compris aussi, parce que la guerre entre l'URSS et les nazis, c'était deux fous. Ah, complètement, c'est les deux pires crises de fous qui existent. Complètement opposés, en fait. Les deux mêmes fous, mais ouais, deux opposés du spectre politique. Mais les mêmes débiles. Et j'ai cru comprendre, dis-moi si je me trompe, que c'est une raison pourquoi la guerre de Stalingrad était aussi importante. C'était aussi niaiseux que Stalingrad disait la ville à mon nom et Hitler de l'autre bord. La ville à son nom. Ce qui est débile! Et au nom de tout ça. C'est un des moments de l'histoire les plus horribles. Et tout a tourné. Tout a tourné pour Hitler. Hitler s'est mis à perdre à partir de Stalingrad. Ouais. Il était. Hey man, OK. Mais il a ouvert un deuxième front, ce qui est débile. De la folie complète. Il n'avait pas fini de. Il a conquis. Bon, rapidement là, pour lentement, t'as un podcast. Ou lentement, c'est vrai. Ouais, ton podcast, il dure 40 minutes. Moi, go! Thomas, avant d'expliquer ça, il faut que j'aille me tirer une pisse. Cool, on prend une pause. Je vais aller faire ça, puis on arrive avec. Ben oui. Stalingrad. OK. Donc, la bataille de Stalingrad. Ce qui se passe, c'est que... Deuxième guerre mondiale. Hitler décide d'envahir la Pologne. Préalablement dans les années 30, là, Hitler faisait prendre de l'expansion à son empire nazi. Il se mettait à, voyons, agglomérer... Oui, c'est ça, des produits, des pays autour de... Pas agglomérer, qu'est-ce que je... Annexé. Annexé, merci Annexé, beaucoup. Comme les Russes font en ce moment avec l'Ukraine. Exactement, comme ce qui est en train de se passer. C'est pas fini, c'est la même affaire. Donc, c'est ça, Hitler s'est mis à annexer tous les territoires autour de l'Allemagne pour lui donner son espace vital, son Lebensraum, non, l'espace vital de l'Allemagne pour créer une espèce d'empire où tous les peuples germaniques coexisteraient sous une seule et unique bannière, celle du nazisme. Et donc, à un moment donné, c'est ça, Hitler avait besoin
Ce qu'on appelle le corridor de Danzig, qui était... L'Allemagne était séparée à ce moment-là, depuis la Première Guerre mondiale, parce qu'il fallait donner un accès à la mer du Nord, à la Pologne. Fait que là, il y avait comme une espèce de grain de beauté d'Allemagne à quelque part dans le paysage polonais. Et Hitler voulait le corridor qui avait été donné aux Polonais pour avoir accès à la mer, le corridor de Danzig. Pour s'y faire, donc, Hitler envahit donc la Pologne au fur et à mesure que dans les années 30, tout le monde est toujours en train de l'apaiser. Faire « OK, c'est beau, annexe l'Autriche, Hitler, on va rien faire, les grandes puissances, la France, l'Angleterre et compagnie. Dans des, ce qu'on appelle des manœuvres d'apaisement. Tout le monde se dit à un moment donné, Hitler va avoir suffisamment de territoire, il va arrêter d'annexer le monde autour de lui. » Christian n'a pas fait ça, évidemment. Hitler envahit donc la Pologne, l'Angleterre et la France. Ce qui provoque la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui provoque essentiellement, ce qui provoque la Deuxième Guerre à ce moment-là. Les Français et les Britanniques déclarent la guerre à l'Allemagne. Hitler ne s'y attendait pas. Là commence une affaire qui s'appelle, The Phony War, la guerre... Fausse. La guerre bidon. Les Allemands appelaient ça de Zitzenkrieg, la guerre assise. Grosso modo, tout le monde s'observe chacun de leur bord puis attendent de voir qui va être le premier à faire le premier move. Pendant que, de son côté, Hitler est en train de prévoir d'envahir la France. Avec sa stratégie qui est la Blitzkrieg, comme je l'expliquais. La machine allemande a besoin de percer à travers le territoire. Il y a plein de fans de football, fait qu'ils comprennent. Jamais c'est un blitz. Un blitz? Exactement. On met plus d'hommes qui peuvent gérer? Mais on n'a plus d'arrière. Puis ils sont tous sur la drogue, by the way. Là. Ils sont tous sur la pervitine. Mais je sais qu'il y a une vidéo géniale d'Hitler au jeu de Berlin qui est sur les amphétamines. Mmh. Qui est sur le crystal meth. Je vais y jeter un coup d'œil. Qu'en fin de vie, il était sur la cocaïne liquide dans les yeux. Il tire ses manches, comme je faisais à l'époque. Tu sais que t'es gelé quand tes manches, c'est vraiment important. Là. Les dents qui serrent, là. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est drôle, ça va être un scoop de même. Ça risque d'être un des épisodes de la saison 4 des pires moments, les Jeux olympiques d'Hitler. Génial! Ouais, j'ai crissement hâte de voir ça, Hitler sur la drogue. Bref, c'est ça, les chauffeurs de camions, puis en fait, les aviateurs étaient tous sur ce qu'on appelait la pervitine, qui est une espèce de... Ironiquement, les joueurs de football, de l'NFL aussi. Oui, mais c'est ils prennent blitz, beaucoup d'aspect. Le blitz. Il n'y a pas 36 façons de faire un blitz. Il n'y a pas 12 options pour blitzer dans la vie. J'ai moi-même blitzé à quelques reprises. C'est du génie. C'est super! Donc, Hitler envahit la France, c'est un succès total, il passe avec ses tanks à travers les Ardennes, en tout cas les Français avec ce qu'on appelait genre la ligne Maginot depuis la Première Guerre mondiale, qui est une espèce de formation de défense avec des canons qui se sont dit que les Allemands ne pourront jamais passer à travers cette affaire-là. De l'autre côté, à côté, c'est une forêt, les tanks ne pourront pas passer à travers ça, fait que la seule option pour l'Allemagne pour nous envahir, c'est la ligne Maginot, mais c'est ultra protégé. Whoop-a-l'aïe, les tanks peuvent crissement passer à travers la forêt et les Français se sont fait pogner les culottes baissées. Blitzkrieg jusqu'à Paris, puis là, j'y vais rapidement, là. Blitzkrieg jusqu'à Paris, la France est conquise et occupée. Là, elle se divise en deux. T'as un gouvernement à Vichy, un gouvernement occupé, une France occupée à Paris, France libre et collabo, d'ailleurs, à Vichy. Puis c'est ça, les autres s'enfuient puis font de la résistance en Angleterre. De Gaulle en fait, entre autres, crée son camp en Angleterre. Pendant ce temps-là, l'Angleterre, elle aussi, a déclaré la guerre à l'Allemagne. C'est le début des affrontements aériens entre la Luftwaffe, l'aviation allemande, la fierté de Göring, Hermann Göring, qui était un vieil as de l'aviation de la Première Guerre mondiale, qui s'est fait, en tout cas, qui a pogné une balle au bas-ventre pendant un putsch, puis qui est devenu une espèce de gros opiuman avec un chest plein de médailles, puis très, très pompeux, puis très axé sur le luxe, puis cool, gars. Le trafic d'art. C'était gros morphinomane, vraiment pas le fun. Mais lui, c'est ça, sa fierté, c'était l'armée de l'air. Et donc, c'est le début des affrontements entre, justement, la Royal Air Force et la Luftwaffe. Bombardement sur Londres, mm-hmm. ce qu'on appelait, justement, le Blitz. À l'époque, ils vivaient dans le métro, les Londoniens. Oui, hey, man, ça, là, c'est drôle. J'ai fait...
fait plusieurs parallèles à ça là, pendant le confinement là, cette année. Là, je veux dire, si les Londoniens sont capables de survivre à des mois de bombardement nazi, d'aller se cacher dans le métro à tous les soirs, puis continuer à gérer, à pelleter les décombres avec flegme, puis en faisant des bonnes vieilles jokes d'humour anglais, on est capable de porter des masques. C'est intéressant que tu dises ça. Jouer au PlayStation, puis de fumer du pot pendant une autre année. On est crispant capable, les amis. J'ai un ami libanais qui, lui, ses parents ont vécu, pour eux, c'est leur deuxième confinement, parce qu'ils ont vécu le premier confinement avec la guerre du Liban, qui se faisait bombarder par Israël. Et eux, ils trouvent ça curieux, le confinement, parce que, mais nous, le premier confinement, les immeubles tombaient. Alors, moi, si tu me demandes de rester confiné, mais j'ai pas de bombe d'Israël, c'est moi, je vais aller voir mes petits-enfants. Je vais aller voir. Voilà. C'est leur deuxième confinement. There you go. Non, c'est... Ah, mais non, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe pourquoi ils ouvrent un front en Russie? Oui, ok, excuse-moi. Je m'emballe. Mais c'est intéressant, mais c'est correct. J'en reviens à ça. Là, résilience, là, le mot d'ordre, puis surtout dans la période dans laquelle on vit. Là, il y a moyen d'être plus résilient qu'on l'est. En ce moment, je trouve. Et ça, je trouve que ça fait du bien, moi, souvent, de me rappeler que... du monde sont capables de faire des jokes en se faisant bombarder par les nazis. Là. On est capable de toffer un an à écouter Netflix. Ça va bien aller. Voilà, c'était ma parenthèse sur cette affaire-là. Bref, combats aériens qui ont d'ailleurs inspiré les combats de vaisseaux de Star Wars. By the way, la Royal Air Force contre la Luftwaffe, on est en 1941, j'imagine. Mm-hmm. Faudrait que je check mon calendrier, là, mais... Bref, les deux forces s'épuisent chacun de leur bord. L'armée de l'air allemande était en mauvais état. La Royal Air Force aussi commence à perdre de l'élan. Mais les deux sont pas au courant de à quel point la guerre d'attrition est en train de les avoir mutuellement. C'est à ce moment que Hitler, dans sa démence, décide qu'il a besoin de... Aussi, si je comprends bien, Hitler, c'est un mauvais militaire. C'est un des pires. Voilà. C'est un des pires et c'est entre autres une des raisons pour laquelle les Alliés l'ont pas fait assassiner. Il prenait des tellement mauvaises décisions que ça aurait rallongé la guerre de le tuer puis de le voir remplacé par un chef militaire plus compétent. Hitler ne faisait que prendre... Et Hitler était persuadé qu'il était protégé par une bonne étoile. Et en tout cas, à toute fin pratique, il avait raison parce qu'il y a eu 42 tentatives d'assassinat sur Hitler et il n'y a personne qui a jamais réussi à le tuer. Puis des estis de coups de loc, genre partir... 15 minutes, écouter son discours de 15 minutes avant que la bombe explose, puis finalement la bombe explose, puis tue juste des SS, puis Hitler est dans son char pendant ce temps-là. Hitler était persuadé qu'il y avait une bonne étoile qui veillait sur lui, puis toutes ses manœuvres militaires sont toujours un peu basées sur « on va être locké, puis la Providence va nous aider, puis on va triompher. » Et ça marchait au début. Ça marchait au début. Ça marche en contexte de blitzkrieg. Et ça marche en contexte de « je m'attends pas à ce que tu m'attaques ». Et voilà, exactement. C'est l'effet de surprise, puis je m'attends pas à ce que, mon Dieu, c'est très offensif, hein? Vous y allez pas avec beaucoup de stratégie, hein? C'est vraiment, on se crisse de « je suis surpris ». Hitler, il crash le net. Oui. Pour ceux qui aiment le hockey. Il crash le net à toutes les esties de fois. Et à un moment donné, tu te mets à manquer de gaz. C'est ça le problème. L'Allemagne ne faisait son propre carburant de synthèse, mais pas, en tout cas, il n'y avait pas de pétrole en Allemagne. Et, il y en a? Il y en a en Russie, il y en a dans l'Union soviétique qui est juste à côté. Il y en a encore, Poutine. C'est du génie. Puis là, pour avoir du fuel pour finalement les avions et les tanks et toutes ces shit-là. Une armée, ça a besoin de pétrole. Et le territoire russe est gigantesque aussi. Si on veut le traverser, on a besoin de pétrole. Et ça va être entre autres qui va faire qu'Hitler va perdre la guerre. Là. Nous y venons. Donc, Hitler a besoin de pétrole à travers tout ça. C'est le moment d'aller envahir. Peut-être avancer que s'il n'envahit pas. L'URSS, il n'y a pas de pétrole, il part de toute manière. Voilà, il n'y a plus de quoi faire décoller les avions. De toute façon, il faut finir... Et il faut le mentionner, les Britanniques ont une force, ils ont des colonies en Afrique qui ont du pétrole. Mm-hmm. Mais en même temps, je veux dire, il y a les U-boats, il y a les sous-marins allemands qui sont qui établissent... Oui, Turing, on a parlé des sous-marins allemands. Le blocus naval autour de l'Angleterre. Enfin, en tout cas, tout le monde est baisé. Les sous d'encre. Et on raconte que si Hitler avait continué, Hitler aurait eu plus de chances de gagner la guerre s'il avait juste continué à s'acharner contre les Britanniques, qui étaient
à ce qu'on raconte, beaucoup plus affaibli que l'information qui lui a été relayée. L'Angleterre était fatiguée. Mais j'imagine, je me mets à la place d'Hitler, j'ai peur des colonies. Oui. C'est la force des colonies. Bien sûr. Je veux dire, je ne veux pas vivre le colonialisme parce que c'est ce qui a un peu sauvé. C'est un peu. En tout cas, le colonialisme a un peu sauvé le monde libre, ouais. Là, ironiquement. Là, mais ouais. Pas ironiquement. C'est pour le colonialisme. Et l'Occident est basé sur le colonialisme. Oui, c'est grâce pour ça qu'on est, on est juste ça. Et on a une dette envers eux. Des voleurs de terre aux autochtones. Bien sûr. Bien sûr. Mais il y a aussi l'idée, en fait, que Hitler voulait négocier une paix séparée avec les Britanniques. Oh. Son objectif, ça avait toujours été un petit peu de... Ils vont voir là, que c'est niaiseux là, de faire la guerre contre nous, puis on va pouvoir s'arranger entre... La reine d'Angleterre, la reine Victoria était de descendance allemande. Mmh. C'était genre la maison de Hanovre, si je ne m'abuse, ou une affaire de même. Fun fact, la reine Victoria a amené les sapins de Noël dans le monde britannique et le Commonwealth. Un sapin de Noël, c'est une invention allemande qui s'appelle un Tannenbaum, comme dans la chanson « Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum ». C'est à partir du moment où la reine Victoria est arrivée avec des arbres de Noël que tout le monde s'est mis à en avoir parce que la reine... Bon, ils ont un peu d'influence, l'Empire britannique. Oui, oui. Ben à l'époque, du moins, c'était très, très cool de faire ce que la reine Victoria faisait. Le plus gros empire. Disons. Donc, on a besoin de gaz pour nos avions, pour envahir l'Empire britannique, avec qui on espère qu'on va faire éventuellement une paix séparée. D'où la raison pour laquelle Hitler décide d'ouvrir un deuxième front, ce qui est une décision que ses généraux ont toujours faite. Non, mon Führer, c'est... On va assurément perdre la guerre. C'est l'Union soviétique. Ils ont infini d'oudes dans infini territoire. Évidemment, Hitler de faire... C'est comprenable, le SS. On va faire comme on a toujours fait. Puis la providence, la race supérieure va prévaloir sur ces macaques soviétiques. C'est slave. Parce qu'on répète qu'ils détestent les slaves. C'est tout ça basé sur des bonnes vieilles théories ultra-racistes de supériorité de peuple. N'importe qui aime un peu le basket, c'est que les Slaves sont exceptionnels. C'est pas une race inférieure, au contraire. Il suffit de voir Luka Doncic. D'une certaine façon, ce sont les meilleurs, les Slaves. Combien d'années de s'organiser, les Slaves s'organisent? Ah oui! Tout le temps. Oui. Tout le temps. Bref, et c'est ça qui est arrivé d'ailleurs. En tout cas, on a organisé les Slaves, là, mais en tout cas, Staline a organisé, mais c'est une autre histoire. Donc, Hitler décide d'envahir l'Union soviétique malgré le fait que ses généraux trouvaient que c'est une très, très mauvaise idée. Mais en même temps, il y a encore des chances que ça réussisse avec, justement, la Blitzkrieg. Si on réussit à faire une motion de fer de lance avec l'armée allemande et de se rendre directement jusqu'à Moscou, jusqu'au cœur, on peut décapiter l'Union soviétique et à partir... Parce que les gens n'aimaient pas Staline. Oui. Les gens étaient très, très mécontents et les gens qui avaient... Surtout les pays qui avaient été annexés à l'Union soviétique. Oui, tu le mentionnes dans... Dans l'épisode de ton podcast, il crée une famine. Exactement. C'est un homme qui crée une famine dans son propre territoire. Famine, pauvreté, désolation. Dictature. Dictature, puis en tout cas, déshumanisation là, en Russie soviétique. Je veux dire, l'idéologie derrière tout ça, c'est que tout le monde est un engrenage de la machine soviétique. Il n'y a plus d'individualité, il n'y a que la collectivité. Tout le monde est un... En tout cas, super déshumanisant, puis ça fait que je veux dire, tout le monde est jetable. Tous les humains sont disposés à travers tout ça. Donc, les gens étaient mécontents de ça. Au début, d'ailleurs, les nazis sont accueillis comme des sauveurs, comme des libérateurs. Ah, Dieu merci, le nazisme est venu nous sauver de toute cette merde. Ouais, ou n'importe quelle idéologie. Tu vas décapiter le gars qui fait en sorte que ma fille est morte de faim. Là, oui. Oui, go, m'en fous de l'idéologie. Peu importe ce que vous êtes, là, en tout cas. Je serais rendu compte que... Et ça, d'ailleurs, c'est une erreur que les nazis ont faite, c'est de ne pas se mettre la population locale de leur côté. Sont arrivés avec l'idée que c'est une race inférieure qui doivent être conquis, maîtrisés, réduits à l'esclavage. Sans mentionner aussi, faut mentionner, dès qu'ils rentraient dans un territoire, les nazis éliminaient les juifs. Oui, première affaire. Première affaire, c'est t'as la Wehrmacht qui passe, qui élimine l'armée, ou du moins l'armée est en déroute, et après ça, t'as les SS qui débarquent et qui s'occupent du nettoyage ethnique. C'est pas des guillemets, c'est vraiment ça. Mais parce que c'est horrible comme terme, du nettoyage ethnique. C'est ce que c'est. Juste ce terme-là montre toute l'horreur de l'idéologie. Très froid, ce que je vais dire. Donc. C'est pas une mauvaise manière de gérer tes ressources. Parce que si t'es
en faisant ça, en perdant du temps, mm-hmm. en faisant un acte, faisant un nettoyage ethnique, c'est des hommes qui n'aident pas la guerre. Et non seulement ça, c'est ses meilleurs. C'est les SS. C'est pas l'armée, c'est pas la Wehrmacht, c'est pas l'armée allemande ordinaire. C'est la police. C'est une armée privée. C'est la milice. C'est les gardes prétoriens. C'est à la base les SS, c'était censé être les bodyguards, le corps de bodyguard de Hitler. Et le créateur de ça, Heinrich Himmler, qui est un gros nerd, by the way, lui, son obsession, c'était la légende arthurienne. Et il voulait faire des SS, les chevaliers de la table ronde, les chevaliers de la table ronde de l'Allemagne nazie. C'était ça son... En tout cas. Il a mal lu, si on se... Oh, c'est mon téléphone, ça? J'ai des bonnes chances autour de mon téléphone. OK, check bien ça. On rap ça, je crisse ma gueule de le faire vite. Hitler avait l'Union soviétique. Finalement, il est ralenti éventuellement par l'arrivée de l'hiver. Il n'avait pas prévu l'hiver. Juste avant d'arriver à Moscou, ses tanks restent pognés premièrement dans la boue. Il y a la saison de la boue en Russie. La Rasputitsa, qui est une espèce de si je me souviens argileuse. Bien, c'est un des pires automnes. Là. Pire esti d'affaires. C'est des grosses pluies froides qui font que créer de la gadoue horrible, c'est horrible au départ, mais cet automne-là c'est particulièrement est horrible. Spécialement Rasputitsa. L'hiver arrive, la boue gèle, les tanks gèlent. On est en Russie, l'essence dans les tanks gèle et les Allemands se retrouvent jamais juste avant Moscou. Il faut aussi le mentionner, il y avait pas de manteau d'hiver. Non, il y avait que du gear de printemps et d'été parce qu'ils étaient censés réussir leur blitzkrieg. Ils ont perdu du temps parce que le territoire russe est fucking gigantesque. Ouais. Les Allemands se retrouvent jamais juste devant Moscou. Ça donne le temps à Staline de faire venir des Cosaques en traîneau. Genre, il y avait des traîneaux à Rennes, comme le Père Noël, hein, avec une force, genre, c'est ça, de Cosaques, tout droit sorti, genre, du fin fond du cul de la Sibérie. Qui résiste à l'armée allemande suffisamment pour la faire staller là jusqu'à ce qu'il manque de gaz, jusqu'à ce qu'on ait besoin justement de ces fameuses ressources. Suite à quoi, Hitler est obligé de séparer son armée pour aller s'emparer du pétrole du Caucase à Bakou. Ça, c'est dans le sud du proche. J'imagine le Caucase, c'est près du Moyen-Orient. Ben, les gens en Google, ils peuvent aller voir. Voilà, exactement. Hitler, donc, divise ses forces, envoie une partie de son armée. Qui divise les forces, sont déjà divisées. Bon, by the way. Non, crise de mauvaise affaire. Il aurait pu réussir encore s'il avait gardé ses forces unies à ce moment-là. Hitler décide donc de diviser ses forces, d'en envoyer la moitié à Bakou, aller s'emparer du pétrole. Mais sur son chemin, observe sur la carte que, ah, tiens, il y a cette petite ville qui s'appelle Stalingrad, la ville de Staline. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de la ville de Staline sans la décalisser pour envoyer le message à Staline, ne serait-ce que pour le faire chier, ne serait-ce que pour envoyer le message à l'Union soviétique. C'est un pied de nez. Votre symbole, je vais m'essuyer les fesses avec votre symbole. Il n'a pas réussi. Et là, donc Hitler décide de diviser ses forces, déjà divisées, pour aller attaquer ce symbole-là. Staline, lui, pendant ce temps-là, fait « Hey, non, minute, vous n'allez pas vous essuyer les fesses avec mon symbole. » Envoie infini soviétique gérer cette patente-là. Et là, on se ramasse avec une guerre... Un siège interminable où les deux forces vont s'éviscérer mutuellement pendant, mon Dieu, pendant des mois, jusqu'à ce que... voilà, jusqu'à ce que les Allemands meurent de froid dans les décombres, parce que la ville a été rasée par l'aviation. Les Russes avaient l'avantage, par contre, d'avoir infini d'oude, constamment infini d'oude, ce qui fait que, justement, les Allemands ont stallé, ils ont éviscéré une partie super importante de leurs troupes à Stalingrad pour finalement se faire battre. Oui, parce que c'est la guerre entre les Allemands et les Russes. Les Russes ont beaucoup plus de pertes. Ils ont infini d'oude. Alors que les Allemands, ont moins de pertes, mais ils n'ont qu'un nombre restreint de monde à envoyer au combat. L'armée va se faire encercler. Finalement, une grande partie d'entre eux, genre, si je m'abuse, des milliers de soldats vont se faire envoyer dans des goulags. Il y en a genre 20 qui vont revenir. Fin de la bataille de Stalingrad. L'armée allemande est éviscérée à ce moment-là et ne fait que reculer
pour le reste de la guerre. Et ils n'ont même pas réussi à avoir le putain de pétrole. Ils n'ont pas d'essence. Ils n'ont plus l'essence. Ils ont perdu des troupes et ils n'ont pas d'essence. Alors, quoi bon? Ils n'ont plus qu'à reculer au fur et à mesure. Et là, ça donne lieu à des espèces de batailles vraiment clownesques, genre en 1900, reculer très, très lentement. Il reste encore plusieurs. On est en 1942, si je ne m'abuse. Il reste encore plusieurs années de Deuxième Guerre mondiale où les Allemands ont de moins en moins de fuel. Et là, ça va donner lieu à des affrontements vraiment clownesques, comme genre en fin 1944, ce qu'on appelle la bataille de l'Enflure, où les Alliés étaient débarqués, suite au débarquement de Normandie, les Alliés étaient en train de presser à l'est vers Berlin, et de l'autre côté, t'as les Russes aussi qui prenaient justement l'Allemagne en sandwich à ce moment-là. Et Hitler a voulu tenter une dernière offensive qui était complètement débile, qui n'avait aucune façon de fonctionner. Ils ont appelé ça la bataille de l'Enflure. Et ils ont envoyé justement tous ces SS, toutes ces légions justement de soldats mieux entraînés, fanatisés, avec un meilleur équipement, dans un ultime assaut pour aller genre percer, puis aller, je pense, prendre justement le pétrole britannique à quelque part. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Les tanks allemands ont manqué de gaz à mi-chemin et les SS ont été obligés de rebrousser chemin jusqu'en Allemagne à pied. Wow. Et ça, c'est la dernière grande offensive de Hitler de la guerre. Sont-ils là? OK, j'ai une grande question. Vas-y donc. C'est un truc que je répète à tout le monde et je me demande si c'est vrai. J'ai entendu dire que lorsque les forces alliées et l'URSS sont arrivées à Berlin, les forces alliées ont donné le feu vert à l'URSS de rentrer en premier à Berlin. Parce qu'ils disaient, vu qu'il y a eu un affront, pour pouvoir rentrer à Berlin, et pour voir, ils savaient aussi qu'il allait faire souffrir la population beaucoup plus... qu'elle allait se venger de façon de la barbarie allemande, oui. Ben, oui. C'est même les Alliés qui ont décidé c'était une offrande qu'ils ont donnée à l'URSS. C'est ce qu'on raconte, en fait. Faudrait que je certifie ça, là, mais on m'a dit, en fait. Mon souvenir, c'était que genre, les deux s'étaient ostinés à savoir qui allait prendre Berlin. Puis, la première bombe nucléaire était censée être lancée sur Berlin à la base avant Hiroshima, mais finalement ils l'ont pas développée à temps. Puis les soviétiques sont arrivés, ils ont rasé la ville, viol et atrocité à la grandeur. Hitler s'est suicidé. Merci bonsoir. Fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ouf, ça n'a pas été le fun pour les civils allemands quand les Alliés, l'Union soviétique a débarqué. Mais c'est ça. La Deuxième Guerre mondiale, moi, c'est ça qui me fascine dans tout ça. Puis en tout cas, ça va être un épisode des pires moments de l'histoire à un moment donné, mais je pense même que ça va être une saison. Je pense que je vais faire un 5 épisodes des pires moments de l'histoire sur la deuxième ou la première, là, mais c'est la fin du monde. C'est ce qui s'est passé de plus proche à la fin du monde qu'on n'a jamais vécu. Et je trouve ça, mon Dieu, infiniment fascinant. Bien sûr. Au même titre que la peste noire, c'était une petite fin du monde. La Deuxième Guerre mondiale et la première, ce sont ce qui s'est rapproché le plus de l'apocalypse qu'on a vécu. Fait que somme toute, ça va bien. Somme toute, on n'est pas obligé d'aller se battre dans une petite pandémie. Là. On n'est pas obligé d'aller se battre outre-mer contre le Japon fanatisé. Là. Ça va bien. C'est bien. On est bien. C'est bien. Hey. Merci beaucoup de ta... Merci à toi, Thomas. C'est toujours, c'est toujours un plaisir. C'est qu'on parle beaucoup. C'est un podcast. C'est un podcast, hein, c'est ça. On jase des affaires.